Ensuite, tous les professeurs, ils sont diplômés d'État. Certains participent même à la formation des futurs professeurs, donc brevetés, c'est-à-dire la qualité toute professionnelle des cours. Les prix enfin sont tout petits, avec des promotions pour les étudiants. Et en dernier lieu, la gamme des cours auxquels vous pouvez assister est exceptionnellement étendue. Ainsi, vous trouverez des activités en partant du plus jeune âge vers des âges un peu plus élevés, des activités d'éveil à la danse ou baby gym concernant les enfants de 2 ans et demi à 8 ans, des activités ensuite de fitness, qui est un mot très à la mode, qui signifie activité en groupe à but de renforcement et d'affinement musculaire. On peut globalement distinguer les activités de fitness avec accessoires, accessoires qui seront des haltères ou des steps, les plateformes que vous avez devant vous, des activités de fitness sans accessoires comme l'aérobic, qui est un travail d'endurance exécuté sur une musique avec expression gymnique plus ou moins chorégraphiée, ou comme le stretching pour l'assouplissement et d'étirement. Enfin, à côté des activités d'éveil dont je viens de parler et de fitness, vous trouverez également des activités de musculation individuelle et enfin des sports de combat, en l'occurrence essentiellement la boxe thaïlandaise. Comme vous l'avez compris, tous les publics sont concernés, et pour faire mentir un peu la formule toute faite, les publics concernés s'étendent donc de 2 ans et demi à 77 ans, avec également l'ouverture cette année d'une section spécifiquement adolescente. Alors la première démonstration à laquelle vous allez assister est une démonstration de step, qui est en cours sur plateforme avec le même objectif que celui que j'ai précisé auparavant, de renforcement musculaire sur une musique.